Ah bon, et qu'est-ce que vous avez fait? Bah, on a fait une chasse au trésor, mais y en a un, il nous a dit qu'il était orthodoxe. Vous savez ce que ça veut dire? Bah non. Oh, regarde, il y a Simone, on peut lui demander. Vas-y. Bonjour Karen, bonjour Mehdi. Qu'est-ce que vous avez à me demander? Bah, qu'est-ce que ça veut dire orthodoxe? En fait, les orthodoxes, les catholiques, les protestants, font partie de la grande famille des chrétiens. En fait, vous savez, le 18 janvier, ça sera la semaine où on prie pour l'unité des chrétiens. Et ça s'appelle aussi la semaine écuménique. Écuménique? Ça veut dire quoi? Écuménique, c'est-à-dire toutes les personnes qui travaillent pour l'unité des chrétiens. Ah, salut Abel! Salut Philo! T'as déjà entendu parler de l'unité des chrétiens? Bah bien sûr! Ça concerne les orthodoxes, les catholiques, les anglicans et les protestants. Ah, merci, c'est super! Et ben de rien. Vous qui nous regardez, nous vous invitons à écouter une prière écuménique faite par des enfants. Jésus, nous sommes de nombreux chrétiens, de l'ouest à l'ouest du monde, à t'aimer et à te dire que nous voulons te suivre. Tu nous apprends que Dieu nous aime comme un père. Et voici qu'entre nous, il nous arrive de nous disputer, d'essayer d'attirer ton regard d'abord sur nous, de ne plus avoir envie de partager ton amitié avec d'autres. Alors, entre chrétiens, nous nous séparerons. Pourtant, nous sommes sûrs que nos désaccords te rendent triste. Jésus, nous t'en prions, fais-nous réfléchir. Aide-nous à finir nos disputes pour connaître ta joie. Aide-nous à trouver quel chemin prendre pour redécouvrir que nous sommes tous membres de la même famille, la famille de Jésus. Aide-nous à aimer comme toi tu aimes, et nous deviendrons des fils et filles de Dieu, des amis de ta paix. Catholiques, protestants, anglicans, orthodoxes, nous faisons partie de la famille des chrétiens.